Nous sommes devant le camp de Drancy. En premier lieu, à remercier d'abord les élèves qui ont bien voulu jouer le jeu de la 3e A à la 3e C. Je sais que c'était quand même relever un gant et un défi. Avec Madame Lister et Lucorio qui sont là aujourd'hui, et Madame Dolo aussi, mais bon, je parle par rapport, on va dire à cette équipe. On voulait vous dire qu'actuellement, on est fiers de vous parce que vous avez joué le jeu, vous avez bien voulu nous suivre dans l'aventure. Et on serait pas là tous ici si vous n'aviez pas voulu être le premier des partenaires. Je remercie dans le désordre, excusez-moi pour le protocole, monsieur le directeur de l'ONAC, monsieur Charpentier, voilà, madame Lévy, alors l'ONAC c'est l'Office national des anciens combattants, d'accord, madame Lévy, que vous connaissez déjà, monsieur Zibenchou, Jackie Marx et son oncle qui est par là, Hervé Aron, qui représente la communauté. Ah, excusez-moi, Arvos, qui représente, m'a dit que Hervé, voulez-vous, qui représente la communauté israélite, avec le rabbin de Forbach qui a bien voulu aussi nous accompagner. Je remercie également le souvenir français du 93, présenté par monsieur. Voilà. Donc. Et je remercie aussi de tout cœur, mais là vraiment c'est un giga merci, Madame Lefebvre-Anaïg et son équipe, d'avoir voulu là aussi relever le défi, parce que lorsque je lui ai dit qu'on arrivait à 80 personnes, c'était un peu alerte générale, on est bien d'accord. Et franchement, vous voyez, ce partenariat, encore cet accueil, franchement, me touche beaucoup. Je remercie aussi nos anciens, hein, sur les Français Beach, Belperda et tout ça, on est OK. Les partenaires de la première heure qui sont toujours parmi nous et qui ont bien voulu aussi passer leur drapeau pour Bach, OK. La Bundeswehr aussi, qui ont bien voulu aussi nous porter leur drapeau et être toujours à l'autre côté. Et ça fait 17 ans que ça dure, comme dirait l'autre, pour nous que ça dure. Voilà, je passe la parole à Hubert. Monsieur Célestret, député de la Moselle, Monsieur Pascal Carpentier, directeur de l'ONAC du département de Seine-Saint-Denis, Messieurs les représentants du souvenir français du département de Seine-Saint-Denis, Madame Yvette Lévy, bien sûr membre du bureau exécutif de la Fédération nationale des déportés internés résistants et patriotes, témoin de la Shoah, Monsieur Jackie Marx, président de la communauté israélite de Sarreguemines, Monsieur le rabbin, Messieurs les porte-drapeaux, Mesdemoiselles et Messieurs les collégiens et collégiennes de l'institution Sainte-Chrétienne de Sarreguemines, Mesdemoiselles et Messieurs, Mesdames et Messieurs, chers camarades et amis, c'est avec beaucoup d'émotion que nous nous inclinerons dans quelques instants devant le mémorial. En ces lieux porteurs du cri universel, du tragique immémorial, où 63 000 femmes, enfants et hommes ont été déportés, arrachés à leur destin, à leur dignité, à leur humanité, pour être déportés dans les camps de concentration. Ils n'avaient qu'un point commun, un seul, ils étaient juifs. Comment oublier le visage de ces enfants, apeurés, ces regards implorant tendresse, caresse et baiser, et qui ne reçoit que coups, mépris et mort. Et dans la lumière étincelante de ces jeunes yeux, qui est alors recouvert,
l'obscurantisme bestial. Tous ces enfants sont les nôtres. Et les pleurant, je pleure aussi la part d'humanité que tant d'hommes ont enfouie et ensevelie sous leur immense lâcheté. Je pense à toutes ces femmes et ces hommes victimes du plus grand crime contre l'humanité jamais commis. Ce cri, cette blessure et cette inhumanité, ce sont les nôtres. Drancy était la dernière étape avant les camps d'extermination. Nous sommes ici pour nous souvenir, parce que juifs, des hommes, des femmes, des enfants périrent dans d'affreuses souffrances. Nous sommes ici pour nous rappeler le torturé, le supplicié. La Shoah dépassa tout ce que le monde avait connu de barbarie. La mise en œuvre de l'extermination industrielle, planifiée, organisée au service d'une idéologie purement antisémite, raciste, xénophobe, démontra l'impensable étendue du crime. C'est désormais pour toujours, quelles que soient nos destinées, nos croyances, nos singularités, notre regard, notre mémoire, le devoir qui est le nôtre, est de dire, de crier, de dénoncer. Dans la haine qui est la nôtre envers les nazis, il n'y a rien de rationnel. Nous ne pouvons pas le comprendre. Mais nous devons, et nous pouvons comprendre d'où elle est issue, et nous tenir sur tes gardes. Si la comprendre est impossible, la connaître est nécessaire. Si nous sommes rassemblés ici, c'est aussi pour dire simplement et tranquillement, clairement, ne pardonnons pas. Il ne peut pas y avoir de pardon. Pardon, ce serait oublié. Notre ami et camarade, le pasteur André Yamifas, résistant déporté, nous disait « Oublier les enseignements du passé serait non seulement trahir le passé et renier le convoi de nos frères, le combat de nos frères, mais aussi hypothéquer l'avenir. De même, le président de la République, lors de l'inauguration de ce mémorial, disait « Enseigner le passé, c'est la seule façon de l'empêcher de se reproduire. C'est aussi l'unique arme dont nous disposons contre l'indifférence, l'oubli et pire encore, le négationnisme. Il faut que vous, les jeunes, preniez le relais de la transmission. Là réside l'avenir de la mémoire. N'oubliez pas ceux et celles qui avaient votre âge, qui sont morts pour que vous naissiez libre. Et n'oubliez pas que la liberté ne mourra jamais tant qu'il y aura des hommes et des femmes capables de mourir pour elle. Alors, je vous soumets une phrase à méditer. Vous aurez le temps. Le silence des pantoufles est plus dangereux que le bruit des bottes. C'est à méditer. Mesdames et messieurs, chers camarades et chers amis, chers collégiens de l'institution Sainte-Chrétienne, notre rôle, nous autres, à la fois acteurs et témoins de l'histoire, nous prenons un peu de cette souffrance vécue par ceux et celles qui sont partis d'ici vers la barbarie nazie, qui ne sont plus revenus, pour rejoindre et nous confondre dans cette humaine condition dont chaque homme doit être non seulement comptable, mais plus essentiellement responsable. Plus jamais ça. Le mémorial, que nous verrons tout à l'heure, symbole de tant de souffrances vécues, nous interpelle et nous rappelle cette épitaphe. Passant, toi qui t'inclines, va dire au monde que nous sommes morts pour que vive aujourd'hui la tolérance et la paix. Unis dans la même émotion et dans le même recueillement, nous nous souvenons de tous et de chacun pour ne jamais oublier. Je vous remercie. Merci.
Merci de me donner la parole. Vous m'entendez ? Merci de me donner la parole. Permettez-moi, avant de prononcer mon discours, je voudrais adresser un petit mot à notre député maire de Saint-Denis, Céleste Lettre. Je tenais à le remercier et lui dire combien d'honneur nous éprouvons à l'avoir parmi nous. Merci beaucoup d'être ici. En tant que président de la communauté israélite de Sarreguemines, je ne vous cacherai pas qu'une émotion très vive me gagne à ce moment même où je m'adresse à vous. En effet, je suis moi-même membre d'une famille arrêtée par la police française qui l'avait remise à la Gestapo, laquelle Gestapo l'avait emmenée au camp d'internement de Boussac, en Creuse, puis transférée au Vel'Hiv à Drancy, d'où partaient des milliers de personnes en direction des camps de concentration qui avaient pour nom Auschwitz, Buchenwald, Birkenau, Ravensbrück et autres. Au moment où les derniers témoins de la Shoah disparaissent, le mémorial, grâce au mur des noms, a pour vocation de pérenniser la mémoire. Devant ce mur passent des classes d'élèves, des jeunes dont beaucoup n'auraient sans doute jamais entendu parler de la Shoah, si l'école, comme elle le fait depuis quelques années, n'assumait pleinement sa mission d'enseignement de l'histoire. Parce que la Shoah a été le mal absolu, elle doit continuer à interpeller tout à la fois la mémoire collective et la conscience de chacun. Ainsi, chaque passant ou visiteur doit comprendre qu'en exterminant les Juifs, c'est l'humanité tout entière qui a été assassinée. Mes remerciements et ceux de notre communauté sarreguemines vont à toutes les personnalités présentes et particulièrement à M. le proviseur de l'institution Sainte Chrétienne, ainsi qu'à tout son directoire, à tous les professeurs de cette école qui, au travers de la transmission de l'histoire de la Shoah, contribuent à œuvrer contre l'oubli et à travailler à la finalisation du vivre ensemble, peu importe nos croyances, religions, origine, un point fondamental car il mène au respect de l'humain. À vous les élèves qui avez fait le déplacement, je voudrais à titre personnel rajouter ces quelques mots. L'Europe est une grande chance pour vous, vous qui êtes l'avenir. Mettons-nous au clair sur l'histoire et créons ce rapprochement et cette union comme l'ont fait hier le général de Gaulle et le chancelier allemand Konrad Adenauer. N'oublions pas le passé et regardons ensemble vers l'avenir. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je voudrais d'abord m'adresser aux élèves pour leur dire qu'en cet instant, beaucoup de sentiments m'animent. D'abord de l'émotion, mais aussi de la fierté, mais aussi de la détermination. De l'émotion parce que nous trouver tous ensemble dans un endroit où il y a quelques décennies, je ne sais pas quel est le meilleur mot qu'il faut utiliser, mais où on enfermait comme des bêtes, des hommes, eh bien, forcément, ça ne peut pas nous laisser indifférents. Et depuis que je suis dans cet endroit, tout à l'heure, j'étais entre ces murs, j'allais dire, entre ces murs représentés par ces blocs qui, comme on me l'a dit tout à l'heure, devaient représenter la modernité de l'urbanisme, c'est ce que vous m'expliquez tout à l'heure, et venant ici, je suis un peu perturbé. Je suis gagné par l'émotion, comme on l'est quand on va visiter Auschwitz, plus près de chez nous. On a également, dans les Vosges, un endroit de mémoire qu'on appelle le Struthof, Schirmeck. C'est aussi un endroit où, dans l'est de la France, on a tué simplement au nom d'une idéologie. Je disais de la fierté,
parce que je suis fier aujourd'hui de voir que d'abord des enseignants, des adultes, mais aussi des jeunes, mettent ce devoir de mémoire en avant. Des enseignants, je pense que c'est important aujourd'hui de voir des responsables de collège, de l'institution Sainte-Chrétienne en particulier, avec les enseignants qui aujourd'hui sont présents, avec la direction, avec également tous ceux qui, aujourd'hui, de l'ONAC, aux représentants des anciens combattants, les porte-drapeaux, monsieur le rabbin, tous ceux qui, aujourd'hui, encadrent ces jeunes pour un moment de mémoire qui ne le quittera jamais. Quand je m'adressais à vous il y a quelques jours, à l'institution Sainte-Chrétienne, lorsque vous répétiez le chant que nous allons chanter ensemble dehors tout à l'heure, je vous tenais le même propos. Et je vous disais que, tout simplement, ce qu'on vous dit sous forme de pédagogie à votre jeune âge peut paraître peut-être lointain. Et peut-être que vous n'avez pas aujourd'hui encore la vraie perception de cette réalité, parce que c'est une réalité. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais ce que vous avez vécu aujourd'hui, je le sais, même si c'est un peu enfoui au fond de vous et que d'autres choses viendront se superposer à tel point que peut-être dans les prochaines années vous n'y penserez pas de la même manière, eh bien un jour les choses ressurgiront. Parce que les couches de sédimentation qui vont s'amonceler sur ce que vous avez vu aujourd'hui ne vont pas empêcher que cette vraie valeur va rester au fond de vous, va germiner et va poindre à un moment donné. Je le dis par expérience. Je vous disais que j'étais fils de malgré nous, que mon papa qui aujourd'hui a 85 ans, bientôt 86, a été incorporé de force dans l'armée allemande à l'automne 44, alors qu'il avait 17 ans. Et quand il me parlait de cela, quand j'étais un jeune galopin qui faisait les 400 coups, comme vous les faites aussi, ça me passait un peu par-dessus la tête. Intellectuellement, je le savais. Intellectuellement, je le gardais dans ma tête, mais sans plus. J'ai aujourd'hui 3 garçons. Le plus jeune a 20. Mon fils aîné a 34. Chaque fois qu'ils avaient 17 ans, je me disais, excusez mon émotion. J'imaginais mes parents, de tous ceux qui devaient laisser partir leurs enfants. Bien aujourd'hui, imaginons tous les enfants, tous ces parents qui, ici à Drancy, ou ailleurs, dans d'autres lieux où l'humanité a été mise à terre, eh bien, c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier. Alors je suis fier aujourd'hui de tous ceux qui contribuent à ce devoir de mémoire et je suis fier que des enfants de Sainte-Humine, autour de Sainte-Humine, eh bien aujourd'hui viennent s'imprégner de cette réalité parce que c'est une réalité. Et j'entendais parler tout à l'heure M. Stephen Shaw de négationnisme ou de révisionnisme, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Le révisionnisme, dit-on, c'est réviser l'histoire. C'est le propre d'un journaliste d'aller voir quelle est la réalité. Mais le négationnisme, c'est dire non. Et certains hommes politiques, que je ne veux pas citer de manière à ce que vous ne les reteniez pas, eh bien, sont dans cette idéologie, sont dans cette façon de dire non, ce qui s'est passé est un détail de l'histoire. Eh bien, je veux que vous sachiez que ce n'est pas un détail de l'histoire. Je vous citais, il y a quelques jours, Victor Hugo. De mémoire, je reprends un peu son propos, lui qui a été déjà un précurseur dans l'Europe
Eh bien, Victor Hugo disait « Les souvenirs sont nos forces. » Et chaque fois que la nuit vient nous gagner, eh bien, il faut rallumer les grandes dates, il faut rallumer les grands événements, comme on rallume des flambeaux. Et aujourd'hui, je crois que chacun au fond de nous, au fond de vous, doit avoir cette flamme, ce flambeau qui, demain, transmettra à d'autres générations ce que l'histoire a connu de plus abject il y a quelques décennies. Parce que croire qu'on ne reverra cela plus jamais, j'espère que c'est vrai en le disant, mais ça sera vrai que si chacun d'entre vous porte ce flambeau de manière à ce que demain cela ne se reproduise plus. Alors aujourd'hui, merci de m'avoir invité à cette journée. Je vous avais dit, je ne devais pas être là. Je devais être aujourd'hui à Berlin, où 400 députés commémorent le 50e anniversaire du traité de l'Élysée, la réconciliation franco-allemande. Je fais un lien entre cet événement et celui d'ici, aujourd'hui. C'est vrai que la cérémonie à Berlin, sans doute, était belle, et ce soir, à 22h, je retrouverai mes amis, mes collègues députés, qui vont peut-être, certains, me raconter la journée. Mais ce matin, j'étais à nouveau pris par cette angoisse qui m'empêche de prendre l'avion, mais c'était aussi, pour moi, une façon d'être présent au milieu de vous aujourd'hui. Je ne le regrette donc pas. Et quand j'ai dit ce matin au téléphone de bonne heure à mon épouse que je n'avais pas pris l'avion, parce que quand mon réveil à 5h30 a sonné, j'ai pas osé partir dans le bus pour Roissy. Ma femme me disait, mais au moins aujourd'hui, tu seras à Drancy. Et j'ai dit, bien évidemment. Alors, c'est un bonheur pour moi d'être au milieu de vous. C'est pour moi une fierté de voir tout ce que font les enseignants avec les élèves de cette belle institution. Et je crois que la réalisation ici, j'en félicite les concepteurs, j'en félicite ceux qui amènent l'animation ici, parce que vous contribuez aussi à être, peut-être plus que d'autres, ces flambeaux dont nous avons, en notre temps, aujourd'hui, tellement besoin. Alors, je dirais ce soir, après ces moments d'émotion, mais vous m'en excuserez, je dirais que je peux repartir à l'Assemblée nationale avec cette satisfaction de vous avoir rencontré, et puis de me dire que des hommes ont encore la conviction et la détermination, parce que je disais tout à l'heure en introduction, la fierté, l'émotion, mais aussi la conviction et la détermination pour continuer, en tant qu'élu, eh bien, de porter ce message de paix pour l'humanité. Tout à l'heure, on disait « faut pas pardonner ». J'ai une façon de dire les choses un peu autrement. On peut pardonner, mais il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier. Merci à vous. Merci à vous tous. Aujourd'hui, il aurait dû être à Berlin pour célébrer l'amitié franco-allemande. Ben, à sa manière, sans le vouloir, je signale quand même qu'ici, il y a, ben, vous pouvez lever la main, hein, ceux qui ont du sang allemand, qui ont parti, hein, c'est pas la honte, hein, mais d'accord. Hein, okay. Il y a, voilà, des élèves allemands dans notre collège qui sont aussi. Donc, c'est une délégation franco-allemande, et puis, à notre manière, bon, on célèbre aussi l'amitié franco-allemande, parce que se souvenir ensemble, c'est aussi faire un beau geste pour l'Europe et l'amitié franco-allemande. Et ça, c'est important pour moi, à mon sens. Je voudrais que Mme Lady vienne, si elle veut bien. Le frère. Voilà. Je veux vraiment remercier encore une fois cette dame-là, qui a vraiment voulu nous relever le gant, et vous amener quelque chose du pays, que l'on dit, voilà. À vous et ainsi qu'à Mme Lévy, sans laquelle rien n'aurait été possible. Je sais que le pays, vous le connaissez. Voilà. Ok. Je vous remercie pour tout, mesdames. Et merci voilà. D'avoir voulu le mémorial de la joie de Drancy, de votre attention, d'être venu. Ça nous fait très plaisir. Merci.
Le mieux, et tu vas avoir la lumière en plein dedans là. C'est pas bon. Là, c'est pareil. Au plus près, moi je me mettrais. Je me mettrais sur le PC. Oui, mais il faudrait que je vois quand il pose la gerbe sur une poudre. Il faudrait que je me mette un peu plus vers là déjà. Bien. Moi je. Comme PC, je suis libre. Voilà. Prendre de la bras. Non, je vais pas le prendre en main. Mais sur le chenet de coude. Voilà. Bravo! Thank you.
De mort cruelle dans les chambres à gaz et les jours crématoires dans les camps de la mort d'Auschwitz, Birkenau, Stutthof et dans les autres camps, afin que leur âme soit affectée pour la vie éternelle auprès des autres juifs, hommes et femmes,
dans nos jardins déserts. Amen. Yeah.